Encore une fois, il nous dit bienvenue, c'est serviteur, pasteur Gans Bernardo, ouvrier à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance qui est rentré la caille après-midi avec l'émission La Voix du Messager. Et La Voix du Messager, il y a une émission qui montait sur Onde Radio ça, le 89.3 FM, chaque samedi, 1h pour 2h. Il y a une émission qui vient de nous grâce à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Ils ont assemblé Cabagou de Gloire depuis le 15 septembre 2019 au numéro 61 Pleasant Street. Après-midi, nous disons bon Dieu merci, car il permet que nous capables là avec vous, afin que nous capables passer à peu près une heure de temps ensemble autour de la parole de Dieu. Et moi, sentiment béni à chaque fois que moi j'ai une occasion pour montrer la caillou, peut-être pour monter sur écran téléphone, peut-être sur écran laptop ou quel que soit moyen que vous utilisez afin que vous capables brancher sur émission. Ça, ce qui est important, c'est que bon Dieu là et nous là après-midi et nous croyons que nous allons passer un moment béni dans la présence de mon Dieu, car à chaque fois que nous entrons dans la présence de mon Dieu, c'est toujours bénédiction. Amen. C'est toujours grâce, c'est toujours bénédiction. Donc encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus, nous saluons dans le nom du comité exécutif ministère ça, et nous disons encore une fois bienvenue à l'émission. Les anges là examinés, achetés, non connaît pas de guet d'en mentionner. Oh, oh, à la monde qui prêtait, les coupables ont jamais les anges là. Amen, amen, amen. Encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. Et si vous à peine branché sur l'émission, ça, c'est serviteur ou pasteur Gans Bernardo, qui est avec vous après-midi. Amen. Qui est avec vous sur le 89.3 FM afin que nous soyons capables de présenter l'émission, ça, qui passait encore sur Onde Radio ça chaque samedi, 1h pour 2h. N'a pas profité de l'espace, ça, pour nous dire merci à tous les amis ministères là. À tous les amis Nouvelle Naissance qui sont toujours là pour supporter nous, qui toujours passer visiter nous, qui toujours bannir un petit coup de fil, plus capable de supporter, plus capable de crier, plus capable d'encourager nous. Et il y a des fois tout pour permettre que nous-mêmes, tous nous capables de porter des corrections que nous réellement bien appréciés. Soit encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus et nous disons merci du fait que vous êtes toujours là pour capable accompagner le ministère. Ça. Et vous tous bien aimés, souvent qui toujours intéressés à l'adresse de l'église là et à heure de service. Nous, j'en ai toujours dit, nous avons adoré mon Dieu depuis le 15 septembre 2019 au numéro 61 Pleasant Street. Chaque dimanche matin, nous toujours là, 10h pour. Alors 10h15 pour 11h, c'est école dominicale, nous, et 11h15 pour 1h, ça c'est culte d'adoration. Chaque mercredi soir, nous toujours un service de prière en ligne, 7h pour 9h. Chaque vendredi, nous avons une étude biblique, 7h pour 9h, toujours en ligne. Encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus et nous croyons que et nous allons passer un moment dans la présence de Dieu, espérant que le Saint-Esprit va faire grâce et il va faire grâce et après-midi. Afin que nous soyons capables de rentrer dans la présence. Mais alors, pour nous rentrer dans la présence, nous n'avons pas encouragé, amen, pour capable préparer, préparer l'esprit, préparer tout nous-mêmes, amen, afin que nous soyons capables d'approcher devant le trône, bon Dieu, dans la prière, amen, parce que, amen, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Bon Dieu fait un pile bagaille pour nous, bon Dieu. À nous approcher devant trône afin que nous capables offrir une prière de remerciement et d'action de grâce. Amen. Céleste Père Jésus-Christ, encore une fois nous humblement présentés devant trône béni avec remerciement. Remerciement pour faveur envers nous car après-midi nous réaliser amen travail nous œuvre nous yo amen pas qu'à permettre que nous jouions liberté ça mais c'est grâce à Jésus à la croix qui t'a offert la vie en rançon et bien
à cause de sacrifice, bien matin, amen, ton peuple, amen, yo gagne libre accès à toi, nos pères, afin que yo capable rentrer dans présence, amen. Et après-midi, à Seigneur, nous rentrer dans présence, amen, avec émission, ça. Nous rentrer dans présence, avec communauté, ça. Nous rentrer dans présence, avec chaque auditeur, chaque auditrice, yo même, chaque samedi, une heure pour deux heures, Dieu Tout-Puissant, yo toujours là, yo toujours branché, afin que yo capable, amen, joindre une parole qui sortit la caille. Et après-midi, nous disons merci. Merci pour le moment béni qui permet que nous puissions passer ensemble. Nous disons merci encore une fois pour chaque auditeur, chaque auditrice qui gagne comme Zamio, qui gagne comme Sauveur, qui gagne et maintenant comme Rédempteur, Dieu Tout-Puissant. Parce que, et maintenant, ou même nous joignons la fin, ou même nous joignons le salut, ou même nous joignons espérance, et maintenant d'une vie meilleure dans l'éternité bienheureuse. Amen. Et nous disons merci pour espérance, car, et maintenant, c'est espérance qui permet que nous gagnions force pour nous traverser mauvais moments, pour nous traverser et même temps difficile, car et dans parole, et même où tu offres nous, et même provision, soit tu fais une promesse, quand tu te dis que nous pourrons aller, et même nous pourrons préparer une place pour nous. Et on va retourner venir chercher nous parce que côté où y est, c'est là nous va y être tout. Ça fait nous sentir céleste Père en Jésus-Christ. Amen. Nous gain pour nous, amen, river, amen, autour de trône. Nous, c'est pas simplement comme d'habitude faire dans la prière, mais nous connaissons un moment, amen, un jour, un temps, amen, nous va gain pour nous chita autour de trône nous pour nous capable contempler gloire pour l'éternité et dans l'éternité. Nous bénissons après-midi encore une fois. Nous bénissons Jésus pour présence dans la vie. Nous bénissons pour présence dans la vie chaque ami auditeur dans moment ça Seigneur quand nous connaît nous toujours dit le présence fait nous du bien présence amen bon pour nous amen présence offre nous la paix que auteur a chanté il dit la paix suprême amen raison que nous quoi que paix que nous gagnons c'est la paix suprême parce que vous te dit disciple que vous praler et vous offrir la paix et la paix qu'on offre elle pas semblable à cela que monde l'en bas là et nous réaliser sa chose à Seigneur parce que le n'a gardé autour de nous-mêmes le n'a gardé monde le n'a gardé difficulté yo le n'a gardé problème le n'a gardé tribulation yo et maintenant nous finis par comprendre Jésus de Nazareth si ou pas présent dans la vie non c'est pas comme ça la vie nous tapier pas quoi situation yo tapier Seigneur nous pas la bien joie sous que nous pas la bien envie ça Seigneur pour à chaque moment dans la vie nous pour nous capable avancer mais à cause de présence au Seigneur nous sentis que chaque pas que nous fait et maintenant nous sentis nos pieds précieux là et maintenant pendant que le monde lui-même l'a éloigné de nous-mêmes Dieu Tout-Puissant pendant que le monde y a couru pour et maintenant pendant que le monde lui-même y a pas intéressé à nous-mêmes mais nous-mêmes à cause de présence dans la vie non Seigneur nous sentis à chaque moment dans la vie nous pieds près et nous sentis c'est là que nous voulons rester c'est la présence au Seigneur et pour raison ça encore une fois nous bénissons nous disons merci nous une action de grâce à nous-mêmes céleste Père en Jésus-Christ parce que tu fais nos promesses, ou va gagner pour avec nous, et maintenant, à chaque moment dans la vie, nous, et ou prouvez nous ça, Seigneur, ou prouvez nous ça, c'est ça qui fait nous pas peur, nous pas inquiéter, Seigneur, car ou déjà enseigné nous, et maintenant, ou dit nous à chaque jour suffit sa peine, ça fait nous comprendre, c'est que jour, il y a vu la difficulté, il y a vu la calamité, mais nous gagnons Dieu dans la vie, nous, il y a un Dieu qui fort, il y a un Dieu qui grand, il y a un Dieu qui pas jamais changé, et maintenant, il y a un Dieu qui pas gagné homme de variation, et maintenant, et c'est pour raison ça, Seigneur, nous étions attachés à nous-mêmes, nous étions attachés, nous étions sous à vous-même parce que Salmiste l'a dit non celui qui demeure sous la brique du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et bien après-midi à Seigneur nous quoi que et maintenant nous bien cacher la caillou et nous quoi que ou bien couvrir nous tout Seigneur et c'est raison ça encore une fois nous disons merci moi prêtez voix chaque auditeur chaque auditrice après-midi à Seigneur pour nous une action de grâce à vous-même action de grâce à vous-même Père action de grâce à vous-même Fils action de grâce à vous-même Saint-Esprit pour bien faire envers nous, pour bien faire dans la vie nous, pour côté sortir avec nous Seigneur, pour côté avec nous chaudia et maintenant siècle présent ça et pour provision qu'on fait et maintenant et pour promesse qu'on reste sous la vie nous Seigneur. Nous disons merci encore une fois. Guidez-nous, couvrez-nous. Amen. Fais grâce Seigneur. Même Jean Salmiste l'a dit oui, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Permet que bonheur et grâce au Seigneur capable couvrir nous à chaque moment, capable accompagner nous à chaque moment, accompagner chaque auditeur, chaque auditrice à chaque moment dans la vie au Seigneur. Encore une fois, nous bénissons, nous disons merci et nous prions qu'on s'appelle dans nom Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amis des ondes, encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. Et ses serviteurs, Pasteur Gans Bernardo, amen, ouvrier à l'église pentecôtiste de la nouvelle naissance, qui rentre la caillou encore une fois, qui a salué dans le nom de Jésus, et qui a dit, amen, que les remets au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Nous prenons ouvrir la Bible ensemble, après-midi, ou même qui a accès à la Bible, ou même qui était attaché, amen, à la parole de Dieu, amen, ou même qui toujours soif, amen, partager la parole avec nous, eh bien, n'a pas encouragé après-midi à ouvrir la Bible avec nous, amen, dans l'épître de Paul aux Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, troisième chapitre là, et nous va rapidement faire une lecture pour vous, amen. Nous va lire, amen, et dans le commencement chapitre là, amen, pour nous arriver dans le dixième verset, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Encore une fois, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Et qui s'apporte là lui-même, il était partagé et avec bien-aimé ça. Et bien, il était commencé comme ça pour le dire dans le troisième chapitre là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, de vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et avant, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amis des ondes, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Poussez-nous, fais-nous exigence, encouragez-nous pour nous capables au faux sujet ça après-midi qui c'est une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ. Yon sujet que moi crois que face à toute inquiétude qu'on capable gagner en 2024, face à toute inquiétude qu'on capable gagner dans dernier temps ça, face à toute inquiétude qu'on capable gagner l'a regardé comment monde lui-même l'a pas plongé, yon monde qui en déclin. Et bien après-midi nous crois que l'important pour nous présenter au sujet ça, qui c'est une vie cachée en Christ. Il y a un sujet, encore une fois, qui joint l'inspiration à partir de l'épître de Paul aux Colossiens, parce que l'on regarde l'épître là, si on analyse l'épître là, on pourrait premièrement, apôtre là, il y a mené un combat et mène pour peuple ça, pour Colossiens yo avec des faux docteurs à travers l'être ça. Et pour nous raison nous dit avec des faux docteurs, c'est parce que à l'époque l'église là t'a gagné des faux docteurs qui t'ont infiltré l'église là. Même Jean Jodian a toujours gagné des faux docteurs qui yo même cap fait un trafic qui grave en dans l'église nous yo. Et bien apôtre là t'a fait face avec faux docteurs ça yo. Et yo même qui censé t'introduit ou bien
était venu avec une hérésie en dans l'église là. Là nous disons hérésie, c'est-à-dire était venu un enseignement qui était contraire à la parole de Dieu. Et même Jean Chaudia en 2024, moi-même pasteur Gerns, le m'a navigué et mène à travers le monde là. Le m'a navigué et mène soit sur YouTube, soit sur Facebook et m'a tendé et mène il y a des fois des hommes et des femmes qui parlent dans le nom de Jésus ou au nom de la Bible. Et bien, il faut finir par comprendre, je dis, hein, plus que jamais, question hérésie, ça, les continue à faire route. Li. Parce que, il y a de l'évangile qu'on attendait, et même, ou bien, l'évangile qu'on attendait pendant le dernier temps, ça, et il faut clair que l'évangile, ça y est, l'autre évangile, ça y est, il n'y a pas de pièce rapport à la parole de Dieu. Il est totalement contraire ou bien il est totalement opposé à la saine doctrine. Et ces situations, ça que l'apôtre là lui-même, lui a fait face à lui parce que le réaliser faux docteur ça yo, s'il a cap travail pour vente yo, s'il a cap travail pour poche yo, et yo même yo vini avec yon l'évangile qui selon agenda yo. Yon l'évangile qui bon pour poche yo, yon l'évangile qui bon pour vente yo. Et apôtre la te décidé pour lui censé combattre l'évangile ça ou bien hérésie ça, yon hérésie dans époque ça, normalement yon même qui t'a censé prôner et yon nécessité pour peuple ça, yon même yon te capable et à observer loyau pour yon à observer ou bien pour yo censé yo même a adorer ange les anges et yon façon pour adorer ange peut considérer ange comme médiateur entre Dieu et les hommes et c'est ça qui va le pousser yo pour le placer Jésus non position si ou garde texte là bien si ou fait recherche sur lettre ça et bien ou va le que yo censé te mettre les mêmes Jésus non position côté que question divinité Jésus a yo te mettre le de côté et moun sa yo tout yo t'a avancé avec yon idée côté que yo t'a metté accent sous yo même yon sorte ou bien forme de connaissance yon connaissance c'est-à-dire comme si qui t'a voulu paraître bien plus qui plus profond même que la parole de Dieu et c'est à partir de là qu'on va joindre ça nous le gnosticisme et Paul décidé lui-même pour lui censé porter secours à Colossiens yo face à faux docteur ça yo même le chaudi hein et nous gien des hommes de Dieu nous gien des hommes selon Dieu yo même tout yo doit mettre disponible pour le peuple de Dieu afin que yo capable porter secours tout secours face à tout faux docteur que nous gagnons dans dernier temps ça tout faux prophète que nous gagnons dans dernier temps ça tout faux leader que nous gagnons dans dernier temps ça. Parce que moi toujours dit nous pas manquer leader dans monde ça mais qui ont raté et même de ça nous relé vrai berger de bon berger parce qu'on grande différence et même entre un leader et même un berger et peut-être un jour nous va retourner dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens côté que nous capable essayer faire différence pour ou bien présenter nature un bon berger nature un berger. Amen. Et pour nous capables de montrer la différence qui gagne entre tout faux prophète sa yo, tout faux leader sa yo, et le caractéristique vrai berger. Mais ça, c'est pour yon l'autre moment, yon l'autre jour, yon l'autre émission. Si le ciel pour qu'on fait appel avec serviteur, pasteur Gerns Bernardo. Alors, Paul décide pour lui capable, normalement, combattre hérésie ça. Et pour lui combattre hérésie ça, si vous regardez plein livre là, vous voyez Paul normalement lui réaliser le fait que bien-aimé ça yo mette en position pour nier la divinité de Jésus et ça fait son regarder livre là bien vous voyez thème livre là côté que c'est la prééminence de Christ, la prééminence de Christ parce que forme d'hérésie ça yo même Jacques Jodia et vous voyez Jodia assez souvent et m'a dit c'est toute l'église mais en pile fois ou après il y a des hommes, il y a des femmes, ou après il y a des congrégations, ou après parole pasteur, il y a plus force que la Bible.
ou après moun yo plus kwen nan pasteur a que yo kwen dans la parole de Dieu. Ou après et parole la dit mais comment on doit vivre, mais ou après il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes soi-disant yo même, eh bien ou après yo dit peuple là non. Et mais sa Bible dit, ça dit yo gen propre interprétation. Yo. Et nous venons tant côté que jodi a ou après que ou a besoin plus monde qui capable mener des hommes et des femmes à l'église, mais yo pas ka mener vers Christ. Ou ka pas d'accord avec ça me dire, mais moi-même pour autorité au nom de Jésus pour me dire jodi a ou joine plus monde qui capable mener monde à l'église. Les m'a pas de l'église, n'a parlé de l'église visible, mais quand il s'agit de mener vers Christ, li extrêmement difficile. Et si on fait recherche jodi a et ou capable aller et garder données ou bien pour eux, si tu as gardé peut-être en 2023 à 2024, pour avoir un nombre de conversions qui gagne, li pas en pile, li très 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 rare pendant des derniers temps ça. Même le roi Mounio l'église, il a cherché délivrance, il a cherché travail, il a cherché guérison, mais quand il s'agit de une vie cachée en Christ, ouais, une vie cachée en Christ, li très très difficile. Et apôtre là, li même pour li combat idée ça, et même et doctrine ça yo hérésie ça cap censé permettre que pousser moun yo loin de Christ ou bien cap permettre que yo nier la divinité de Jésus. Et mais apôtre là, si vous regardez plein livre là, on pourrait premièrement et la présenter sur le plan doctrinal, la présenter une vie et même profonde en Christ. Nécessité pour capable gagner une vie profonde en Christ. Et sur le plan polémique, la présenter comme Amen Christ, c'est-à-dire la prééminence de Christ. La prééminence de Christ. Question que Jésus lui-même, c'est un supérieur lié. Non, ça n'a pas existé. Amen, il est l'auteur du salut et apôtre l'a présenté comme l'auteur du salut. Et sur le plan spirituel, maintenant, la montrer, c'est-à-dire la présenter une vie intérieure en Christ. Parce que son question de en Christ, parce que mon texte là, si vous regardez très bien, et m'obliger le texte là pour vous, et rapidement, malgré les panneaux liste de textes, moi, mais et si vous regardez le texte là, ou après, et dans un Tessa. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 peut-être à 18 texte là dit nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un ciel bien à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais, les morts en Christ. Son question de une vie cachée en Christ. Son question de en Christ. C'est bon question de à l'église ou ka à l'église mais ou pas en Christ. Ou ka prêcher l'évangile mais ou pas en Christ. Ou ka chanter non chorale mais ou pas en Christ. Amen. Et ou capable dire pasteur Gans mais comment la question c'est à Jésus pour poser question ça parce que Jésus lui-même lui dit ça. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur Seigneur et bien qui fait volonté. Un. Deuxièmement, la parole de Dieu enseigne nous dans dernier temps côté que gemon k'ap di mais ça me te fait pour Jésus a dit au dehors on pas connait so c'est pas parce que Gans qui fabrique parole ça basé sur la parole de Dieu eh bien moi capable dit clairement son question de en Christ mais alors il y a en pile moun qui l'église mais qui pas en Christ en pile moun k'ap bible en main mais qui pas en Christ amen il y a pile moun k'ap chanter mais qui pas en Christ et troisième élément qui permet que nous capable dire ça eh bien Judas il était fait partie des 12 mais Judas pas en Christ Judas c'est qui ça qui t'intéresse c'est l'argent qui t'intéresse amen c'est poche qui t'intéresse c'est caisse là qui t'intéresse et nous voit ça expérience que Jésus et disciple était fait avec femme nan lui-même qui t'a pour fruit parfum pour te laver pied Jésus c'est-à-dire que encore une fois ou capable l'église là mais ou pas en Christ mais après-midi et ça qui est important c'est que l'important pour une vie cachée en Christ et ça fait apôtre lui-même sur le plan spirituel li gon travail que l'a fait là et qui travail que apôtre là lui-même l'a fait li gen trois considérations et même que lui permet que moi-même ensemble avec au café le nous garder
Colossiens chapitre 3, amen, verset 1 à 10 là. Si vous regardez le texte là, très bien, amen. Si là on a écrit sous texte là et post écriture ça qui ça l'a fait, eh bien la présentons quelques caractéristiques de la vie abondante du chrétien. Quelques caractéristiques de la vie abondante du chrétien. Mais comment vie chrétien, mais mode de vie que l'il doit gagner. Mais façon l'il doit vivre. Si ou elle était tout chrétien, ou Dieu c'est chrétien, eh bien, mais façon y attendre que ou doit vivre. Si ça fait premièrement, si vous regardez le texte là, eh bien, apôtre là, encore une fois, pendant monsieur la parle à Colossiens, mais si la cap opiné, il dit que portion écriture ça verset 1 à 3, eh bien monsieur a présenté l'union présente et future du croyant avec Christ, parce que chrétien avec Christ il doit faire yon seul. Amen. Une vie cachée en Christ, c'est l'on fait yon seul à Christ. C'est pas encore une fois l'on à l'église parce que ou ka à l'église, mais ou pas fait yon seul avec Christ. Et ça fait apôtre là, si ou gade texte là bien, qui ça que ou il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire, apôtre là, la fin courage, Colossiens, ou même j'apprends, il dit avant pour courager, amen, pour aller à la recherche des choses spirituelles. Mais n'a pas eu des choses d'en haut. Là, nous pas dans le matériel, nous pas à tel là qu'on est là. Les choses d'en haut. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez. C'est Bible créole là, avec Bible française là qui dit chercher. Mais verbe ça, dans Bible grecque là, c'est zeteite. Qui veut dire, le chercher en bagaille, c'est pour capable chercher avec ardeur. So, en un mot, Paul a dit Colossiens, faut nous faire pile effort. Faut nous faire pile effort. C'est pas simplement dire, bon, moi c'est chrétien, moi crois dans Jésus. Non. Faut que la vie soit capable de montrer que vous croyez dans Jésus. Le regarder vie, ça qui caractérise la vie. Au monde qui a observé, là, faut dire oui. C'est pas où dit vous êtes chrétien, mais le regarder, vous êtes chrétien. Yo wow son chrétien. Et ça fait apôtre à li servi avec verbe grec ça. Côté pour dire chercher avec ardeur. Et na vive dans un temps côté que nous devons faire pile effort l'église. Na vive dans un temps côté nous les chrétiens, chrétiens authentiques. Nous devons faire un pile effort pour nous être attachés aux choses d'en haut. Et c'est un plus gros défi que l'église a gagné aujourd'hui. Ou après l'église là. Amen. Sinon, aller sur le plan politique. Ou après l'église là, courir de tout le monde. L'église a courir des politiciens à droite à gauche. Nous, c'est ça qui se passe là dans la campagne électorale. Côté yon campagne électorale divisée, amen. Divisée. Nous sommes capables de dire 75% de l'église que nous avons aux États-Unis. Surtout l'église américaine. D'abord, ou après. Et l'église yo divisé entre les noirs et les blancs. Ou pour les noirs, yo prend en majorité yon position à partir de ratio. Ou pour les blancs, en majorité, yo prend yon position à partir de ratio. Ou pour chaque caché et même de chaque prend prétexte. Mais faut d'accord pour eux, c'est que Jésus lui-même l'hypatocentrique, c'est-à-dire décision yoa, l'hypatocentrique. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des églises, c'est des pasteurs, c'est des évangélistes, c'est des bishops, yo même kap défendre intérêt l'église yo. Kap chercher qui côté et subvention yoa gagne plus sécurité. Pendant ça, Bible a dit non, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Mais malheureusement, ou après, je dis à nous, il y a des hommes et des femmes
même Jean Gon texte n'a pas gardé texte là avec vous pas dire c'est pas ce Gans et même qui dit mais si vous allez avec moi dans Matthieu moi c'est Matthieu chapitre 6 on peut côté que dans moment que Jésus fin apprendre non seulement lui a et permet que disciples yo ka écarter du formalisme religieux mais la va apprendre tout comment puis prier la présenter ou bien la offrir et même yon instruction et même sur la prière mais puis devant Jésus pral censé dire très clair ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent le noir pas les deux chercher et même chercher rechercher les choses d'en haut c'est pas dit que nous dit ou pas le travail c'est pas dit que nous dit ou pas rêver c'est pas dit que nous dit ou pas aller chercher et même une formation académique c'est pas ça nous dit c'est pas ça nous dit mais ça qui est important si vous regardez texte dans Matthieu chapitre 6 Jésus dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la roue détruisent où les voleurs percent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Là Jésus a fait appel à intelligence nous. Appel à intelligence nous pour nous comprendre premièrement, nous devons chercher le royaume non. Et tout ça qui te reste, il y a venir après. Mais ça qui te reste yo, ou pas doit tuer tête ou bouillot. Parce que il dit car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. So, si c'est bien terrestre, si c'est bien la terre qui trésor, mais c'est la cœur après t'y attaché. Et ça fait jodi, hein? L'église a une situation, nous plus suivre que nous. Parce que nous étions attachés à des choses matérielles. Que nous étions attachés à l'argent. Que nous étions attachés à Pétchèque nous. Que nous étions attachés à tout avantage que nous avons, nous avons joué sous terre ça. Et puis nous mettons de Jésus de côté. C'est-à-dire, en équation, hein, formule nous pas respecter. Parce que ce texte-là dit qui ça clairement? Il dit chercher premièrement le royaume. Chercher le royaume, c'est le royaume que vous cherchez avant tout. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis il dit toutes ces choses seront données par-dessus. Là, il dit toutes ces choses-là, si vous mettez le texte-là, vous allez chercher le contexte de gauche-là. Et bien, au livre verset 25 à 32, et bien, la parler de qui ça là? Des choses matérielles. Manger, rad. Tout ça qu'on a tué était tout sous yo qui empêche yo mener une vie cachée en Christ parce que ça qui vient passer c'est que c'est yo vin trésor automatiquement encore une fois c'est feuille d'or la trésor automatiquement c'est morceau caille là qui trésor automatiquement amen c'est machine là c'est voiture là qui trésor c'est bouteille qui trésor et bien ça pas le passer et bien texte la clair sur ça côté trésor c'est la cœur vaillé. Et ça, li vin yon obstacle pour vie spirituelle. Li vin servi comme un obstacle pour relation avec Dieu. Parce que tout pensée ou tout désir, li yon tourne vers des choses matérielles. Matin, midi, soir, ou check à 40 ou 24 sur 24. 24 sur 24, debout lever. Avant même qu'on leve, mais on devant Dieu pour dire merci Seigneur. Mais qui sont à checker, c'est à 40 ou. Peut-être c'est stock market ou une vie cachée en Christ. Paul dit Colossiens yo, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Et l'offine avec violence, l'offine avec effort, ou chercher les choses d'en haut et l'offine joigne yo. Et me dit, attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, nous matérialisons en pile. Oh, nous matérialisons en pile. Oh, le monde, les hommes. En pile, nous sommes dans l'église. Oh, nous très matérialistes. Nous baillons bien la terre et même en pile valeur. Plus valeur que la parole de Dieu. Plus valeur que relation avec Dieu. Parce que dans pile nous t'a servi bon Dieu bien. Mais c'est bien la terre qui empêche nous, c'est ambition nous yo. Attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut
Car si vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Moi, je texte ça. Car vous êtes mort. Texte la clé sous ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, c'est la doctrine de la régénération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, automatiquement, accepter Jésus comme maître et sauveur, ou vignon l'autre monde. Ou vignon l'autre monde. Et immédiatement, ou vignon l'autre monde, eh bien, vie ou, vous cachez en Christ. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Sans que vous pas accusé de plagiat, mais vous réalisez côté de l'oxygène dans là. Verset 3, c'est lui qui offre une possibilité pour présenter au sujet ça. Car si vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Moi, je m'étais ça, et c'est pour ça que je travaille. Sur le plan eschatologique, où on connaît l'Église a dit pour l'enlever. Et après l'enlèvement de l'Église, amen. Parce que je dis à là, nous n'ayons intervalle. Si vous regardez Daniel, amen, vous êtes capable de voir dans quel intervalle que nous y est. Mais l'Église là, vient pour l'enlever. Et après l'enlèvement de l'Église, nous vient pour faire face à la grande tribulation. Ou bien le jour du Seigneur qui va joindre inaugurationner avec l'enlèvement de l'Église. Mais après la grande tribulation qui va durer de 7 ans, eh bien, dans la fin de la grande tribulation, eh bien, ça va le passer. Jésus va retourner pour venir régner. Et si vous regardez le texte, bien, il y a un monde qui a posé la question ça. Mais et nous-mêmes, côté que nous va nier, eh bien, nous-mêmes, nous va gagner pour nous accompagner Jésus dans la gloire. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Les autres morts ne reviennent point avec à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est-à-dire, nous allons retourner, nous allons reparer avec lui dans la gloire. Mais pour ça qu'a fait, faut d'accord. En dépit de toute douleur, en dépit de toute souffrance, en dépit de toute tentation, mais faut d'accord pour faire sacrifice. Faut traiter tête tout dur dans Jésus-Christ pour capable mener une vie cachée en Jésus-Christ. Mais pour mener une vie cachée ça, troisième élément qu'on joigne pendant que Paul encore une fois dans verset 3, dans verset 1 à 10 là, l'a présenté quelques caractéristiques de la vie abondante du chrétien. Mais il dit nous, verset 5, là, il dit, faites donc mourir ce qui de vos membres est terrestre. Moi, j'aime ça. Parce que je dis, oh, l'église, il y a un problème. Moi-même, ensemble avec, il y a un problème. Oh, il y a des bagailles qui dans la vie, nous toujours. Oh, il y a des bagailles qui dans la vie, nous toujours. Pendant le champ d'espérance, on a mis. Oh, il y a des bagailles qui dans la vie, nous toujours. Pendant la Bible, il y a des bagailles qui dans la vie ou toujours. Peut-être pendant le micro, il y a des bagailles qui dans la vie ou toujours. Mais à porte là, amen. Il dit à bien-aimé, pour capable de vivre caché en Christ, pour cacher en Jésus-Christ, amen. Mon cap chercher les choses spirituelles, amen. Eh bien, il dit où, verset 5 là, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et libral baou yon lis là. La débauche, c'est-à-dire le dérèglement sexuel. C'est là où il y a dans l'église. Et puis pas qu'à contrôler tête yo. Nous connais ça en pile. Nous en pile. Le Saint-Esprit qu'on est nous en pile. On dans l'église là, amen. On dans l'église là. On dans l'église là. Amen. La débauche. L'impureté. Les passions, les mauvais désirs, ou chitan dans l'église, mais l'esprit,
L'esprit va voyager. L'esprit va voyager. Oh non, ou pas qu'à mener une vie cachée en Christ. Ou pas qu'à mener une vie cachée en Christ. Parce que l'on a regardé 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, qui a présenté et même trois aspects. Et même de sous façon moi ma voix te créé où j'ai le corps, l'âme et l'esprit. Et son j'ai un texte côté Jésus, il parle, il dit bon, autrefois il dit mais qui le ou fait adultère, mais moi-même de vous garder ou convoiter. Amen. Eh bien, ou c'est adultère. Eh bien, les passions, les mauvais désirs. Mes situations difficiles là. La cupidité. Oh, la cupidité empêche en pile dans nous. Mener une vie cachée en Christ. La cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est-à-dire aimer l'argent. Aimer l'argent, traiter mon à partir de moyen yo. Parce que j'ai un plus gros problème que nous jouons aujourd'hui. En pile dans nous baser relation avec moun sous capacité ou sous moyen économique yo. Sous capacité sous moyen économique yo. Autant de fois que moun nan y a plus moyen, autant de fois pi bon zanmin. Autant de fois moun nan contribue plus à l'église, autant de fois l'église gon façon yo traité l. Nous sans pitié. Nous sans pitié. La cupidité. Nous traitons mon à partir de l'enveloppe pli. Et me dit mon Dieu merci. Et c'est une raison. Le 15 septembre 2019, dans le moment que le Saint-Esprit de Dieu, amen, présentez-moi, amen, plan que le ciel vient pour moi, pour l'église, pour l'église, la nouvelle naissance. Et on a une décision me prend. Et jusqu'à présent, moi mettez quel que soit collaborateur que moi gagne à l'église Pentecôtiste de la nouvelle essence pour dire est-ce que j'aimerais pasteur Gans Bernardo un jour mandé amen est-ce que likawé yon enveloppe offrande yon enveloppe dîme yon enveloppe contribution ça va jamais intéresser et jusqu'à ce que trompette la sonné m'a jamais ça dans agenda pour me qui est qui baille qui est qui pas baille qui est qui offre qui est qui pas offre qui est qui contribue qui est qui pas contribue jusqu'à ce que trompette la sonne ça pas jamais dans agenda pour chaque lundi ou bien pour chaque mardi pour me une liste devant moi pour regarder combien frère Jacques te baille combien frère Jean te baille combien sœur Jacqueline te baille, combien sœur Darlene te baille. Jamais au grand jamais jusqu'à ce que trompette la sonné. Et décision ça, le jour que moi t'a retourné sous lit que trompette la sonné avant l'heure pour moi. Parce que la parole de Dieu amen. Jésus t'a fait pauvre afin que tu capable enrichir, c'est-à-dire il t'a imbécile. Jésus et maintenant Jean 3:16, la parole a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire que Jésus pas garder sous couleur personne, il pas garder sous hauteur personne, il pas garder sous canéban personne, il pas garder sous niveau éducation personne, il pas garder sous nom de famille, il pas garder sous quantité péché. Le texte a simplement dit afin que quiconque, c'est-à-dire moi-même relation en tant que pasteur de l'église, li pa ka baser sou yon enveloppe, li pa ka baser sou quantité dîme ko bay, li pa ka baser sou quantité offrande ko bay. Ko bay, mwen gen même l'amour pou. Et c'est raison ça qui fait. Mwen pa chanm, amen, yon dimanche. Question chaque dimanche, ou ap mande combien te rentre non en tant que pasteur, amen, mwen gen droit de regard sur tous les ministères. Mais le ministère, responsable ministériel, yo chita en rencontre ministérielle, eh bien, yo va présenter un rapport. Mais parce que Gans Bernardo pa gen relation avec enveloppe, quel que soit moun pou m'ap gade communauté bay. Et puis ça partir de communauté bay et puis premier coup de fil pou m'bay nan lundi, c'est ou même non. La cupidité c'est un élément et même qui empêche nous servir mon Dieu bien. La cupidité c'est un élément qui empêche en pile leader amen, évangélique, mener l'église, j'en ai mené. Parce que, au lieu de servir mon Dieu, il a servi, c'est enveloppe d'immunio. C'est au fond de lui, il a servi la cupidité. Et apôtre l'a dit, faites donc mourir ceux
qui de vos membres est terrestre? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oh, jamais, jamais, au grand jamais, frère, m'sœur, m'a pas encouragé. Pas quitter les choses terrestres en péché ou la gloire de Dieu. Pas quitter un feuille d'eau en péché ou la gloire de Dieu. Pas quitter un vieux morceau caille en péché ou la gloire de Dieu. Oui, ou besoin pour abriter. Oui, ou besoin de travail, amen, pour répondre à besoin économique, amen. Mais yo là pour yo servi ou. Mais ou pas qu'à servir comme serviteur caille là. Ou pas qu'à servir caille là, ou pas qu'à servir l'argent. L'argent pas qu'à mettre où. Caille là pas qu'à mettre où, amen. C'est Jésus de Nazareth qui met tout. C'est la cause de ces choses. Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et apôtre l'a dit à Colossiens. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez de ces péchés. Une vie cachée, amen, avec Christ. C'est-à-dire, c'est un monde qui mourit, amen, qui mourit avec Christ et qui vient une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, amen, vie passée, oh, li détruit, li doit détruire. Et ça fait apôtre là, li dit à Colossiens, tout ça me sort dit là, dérèglement sexuel, yo, impureté, yo, passion, yo, mauvais désir, yo, remet l'argent ça. Il dit ça, yo, c'est pour l'autre dans l'ignorance. L'autre pour qu'on compte Jésus. Le Jésus pour qu'on rencontre avec vous. Mais l'autre vient jouer avec Jésus comme maître. Ou de libérer de tout ça, yo. Et ça fait la parole de Dieu, il dit ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que autrefois, peut-être, l'argent, amen, te met tout. Débauche, dérèglement sexuel, te met tout. Impureté, te met tout. Mais chaudia, amen, ou bon seul maître, qui c'est Jésus de Nazareth. Et ça fait apôtre, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Caractéristique, moun kap mené en vie cachée en Christ là. Moun kap mené en vie cachée en Christ là. La colère pas qu'à dormir la caillou. L'animosité, c'est le plus gros problème nous gagne dans l'église nous yo. Trop division. Trop petit groupe. Trop petit groupe. Trop séparation. Trop animosité. Nous dans groupe là. Mais nous gagne problème. Ou dans groupe d'âme. Problème, ou un groupe d'hommes, problème. Trop, la méchanceté, la calomnie, aux paroles qui voquent, qui pourrait sortir de votre bouche. Apôtre a dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ça, pasteur Gens pas parler de questions, ne mentez pas ça. Parce que mettre l'iconen, mettre l'iconen, mettre l'iconen, ou konen. Auditeur, auditrice, ou konen pour qui est lié. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce qu'au moment où vous acceptez Jésus comme maître et sauveur, qui sa texte l'a dit, dans l'épître de Paul aux Romains, mais vieil homme non, et mais il vient pas vieux. Qui ça qui passait, vieil homme non? Romains chapitre 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous mourrons avec elle. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ou pas quand même nos corps. Ou pas quand même nos corps. C'est-à-dire que le regarder au feu les vertus de la nouvelle amen, vie. Ou de la vie nouvelle, faut qu'avouer. Et ça fait apôtre là, qui ça lui dit? Gardez le texte là bien, si vous retournez dans Colossiens pour nous finir. Qui ça texte là dit, ma retourner dans Colossiens avec encore une fois. Lui dit, dans le troisième chapitre là, lui dit, gardez bien. Et même, mais ces choses étaient, nous gardez le texte là bien, ma lire pour Colossiens chapitre 3.
Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Ne mentez pas. Et ayant, verset 10, Salim va chercher pour. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et ayant revêtu l'homme nouveau, les vertus de la vie nouvelle. Revêtu de tout ce qui est vertueux. Ce type de vie, ça, que l'apôtre, il attend que vous menez. L'on dit qu'on va mener une vie cachée en Christ. Après-midi, moi, j'ai senti que j'ai une nécessité pour nous présenter au sujet ça. Malgré ce, nous avons course avec l'heure. Mais l'important, même j'apporte là, tu parlé à Colossiens, qui t'attendait tout type de l'évangile. Ou même je dis, on est dans la même situation. Qui fait face à tout problème, toute tentation dans cette présence là. L'important pour vous saisir. Et puis pour mener une vie cachée. En Christ. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu permette qu'on capable toujours être devant nous en tant que chrétien réel et chrétien authentique. C'était serviteur pasteur Gans Bernardo qui t'a voix après-midi pour l'émission La Voix du Messager, émission qui vient de nous grâce à l'église pentecôtiste de la nouvelle naissance. N'attendons demain matin, 61 Pleasant Street à Randolph, 10h15 pour 11h, école dominicale. Et 11h15 pour une heure culte d'adoration. Donc, que bon Dieu bénisse, vous êtes avec la paix de Dieu et moi, je en pile en Jésus-Christ. Là, examiné, achevé, non connaît pas de Radio Télé Planète Compas, 22 ans d'existence. Écoutez-nous sur Alexa, gardez-nous dans Roku TV, Facebook, YouTube, page Harold Marius ou bien planètecompas.com. Nous avons un téléphone tout 805-615-4218, Verizon 605-781-9774. Monsieur Compas, bon micro pour me parler avec mon yo. Pas oublier, bye support durant tout mois novembre à radio à l'occasion 22e anniversaire. Eh bien, Tizayon Dio, yo ka bay ed yo, pa kachap, pa zel, téléphone 781-510-6566 ou bien yo ka pa bay ed yo tout à yon nan membre radio à n'importe store tant qu'ou Adonai boutique Ketou boutique exclusive variété store dans la Caribbean Variety Store MCHS. Pas oublier PO Box là non. Planète Compas PO Box numéro 15 Randolph Mass 02368 supporte radio. N'abdiou merci déjà. C'est un bel jour.